Et salut tout le monde, ici Mazorit500 et aujourd'hui on se retrouve sur Mine Aventure hein, pour un nouvel épisode. Donc la semaine dernière on avait un petit peu construit le château et du coup aujourd'hui j'avais pensé, comme il nous faut un peu de bouffe, j'avais pensé à faire enfin une usine à poulet. Pour ça j'ai besoin de ça. Je vais avoir besoin de beaucoup de pierres taillées. On va déjà faire reproduire les vaches. Oui, parce que je suis toujours en train d'essayer de les attaquer pour en avoir un maximum. Voilà, nickel. Voilà, bon, le reste, on va faire du pain, donc je bouffe. Alors, il va nous falloir de la pierre taillée qui est là-bas. Puis il va falloir vraiment qu'on fasse au moins une pièce pour le château, quoi. Enfin notre appartement quoi. Alors la pierre, allez, on va prendre tout ça, hop. Voilà, nickel. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Pour l'instant on va dire que c'est bon. On va prendre la table de craft. Ça évitera de revenir ici. Donc j'avais dit que je ferais l'auberge, mais au final je vais pas la faire tout de suite. Je vais d'abord faire cette usine à poulet là. Ah, il va nous falloir de la redstone. Il va nous falloir de la redstone. Allez, où est la redstone? Ah, attends, pas vite. Il va nous falloir un peu de quartz. On va prendre. Voilà, 4. On va prendre un stack de redstone. On va prendre. Il nous faut du fer. Il nous faut. Oui, il va nous falloir un piston. Collant, est-ce que j'ai des boules de ferraille? J'ai plus de boules de slime, ça c'est embêtant. Bon, c'est pas grave, je placerai le piston plus tard. Alors, j'avais dit que ici je ferai l'auberge, sauf que ça ne va pas aller l'auberge là, parce que du coup. Avec la rivière derrière, j'ai envie de la garder la rivière, et du coup d'ailleurs je vais la monter un peu, je vais la essayer de la monter au moins jusque là, mettre plus d'eau quoi. Et du coup l'auberge est trop grande pour se foutre ici, alors j'ai pensé à y mettre en face de ce bâtiment là une usine à poulet. Donc l'usine à poulet elle va compter 9 de largeur et 14 de long. Alors ça va être déjà, il va nous falloir ça. Alors, en démarrant, j'ai envie de garder un peu d'herbe là. En démarrant, on va dire ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc voilà, on a notre largeur de notre usine à poulet. Et donc, on va faire 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Voilà. Alors pourquoi si grand? Comme j'ai envie de faire un bâtiment, je pourrais faire plus fin. Hein. L'usine en elle-même n'est pas si épaisse que ça, mais j'ai envie de faire un petit bâtiment. Ça, c'est sympa. Et puis ça remplit le spawn aussi. Tout est en pierre taillée dans ce truc. Alors après ici, de moment on doit remplir, mais on remplira ça plus tard. Attendez, parce que là je viens de faire une gourde. Non, c'est bon en fait. Alors ensuite, parce que c'est deux de haut, je crois. Bon, il faut que je remplisse tout ça. Deux pierres taillées. Comme on est riche, on s'en fout. Hein. Enfin, on est riche. Tant que ça, mais... pierre, c'est pas ça qui manque. Voilà, je m'en fais un stack. Tac. J'avais dit aussi que mes constructions je les ferais avec une caméra, donc un mode caméra qui s'appelle Caméra Studio. Le problème c'est que en 1.8 je sais pas s'il y en y a une version. On dégage le mouton, je me saoule. Voilà. En 1.8, je sais pas s'il y a une version qui est fonctionnelle. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas
ce mode là. Alors attendez, là ça monte encore. Ça monte de 2. Tac. Tac. Voilà. Oui, j'utilise beaucoup de pierres taillées, mais à la fin le résultat est, enfin moi, pour moi je trouve que c'est bien, ça change. Je pense pas que c'est un bâtiment qui ressemble à des bâtiments déjà vus sur d'autres Minecraftiens. Donc voilà pourquoi je fais celui-là. Je l'ai créé récemment à partir d'une idée de fenêtre, hein, pour vous dire. Sur un serveur où je joue actuellement, voilà, actuellement, je devais faire une fenêtre. Puis à partir d'une idée, j'ai dit, mais pas bête, pourquoi je ferais pas mon usine à poulet à partir de cette fenêtre là. Puis voilà, j'ai bien aimé le résultat et ça a rendu c'était plutôt sympa. Alors voilà, ma plateforme elle est faite. Alors attendez, bon, faut que je retrouve un truc. Le problème c'est que attendez, petite ellipse, j'ai perdu un truc. Et re tout le monde, donc voilà, c'était tout bête, hein. Je me rappelle plus comment j'avais fait ça, mais en fait si, j'étais pas trop sûr en fait. Alors on va se faire de la pierre taillée. Voilà, on va se faire des escaliers en pierre taillée. Voilà, ensuite tac, 1, 2, 3. Voilà. Oula, bêtise, je fais des bêtises. Tac. Oui, parce qu'il faut bien que je puisse monter sur ma petite plateforme. Et il va faire nuit, donc c'est pas grave. Tac, 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 tac. Alors là, hop. Donc c'est un bâtiment qui coûte cher, hein, bien sûr. Bon, moi comme j'ai bien avancé dans ma petite partie, je peux me le permettre. Tac. Donc j'espère que j'aurai assez de temps pour vous faire le système en redstone quand même. Par contre, ça j'ai des doutes que j'aille un peu de temps. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? C'est pas ça que je veux. C'est ça. Voilà. Alors. Plus facile en créa. tac, tac, tac. Ça va comme ça. Là. Là, comme ça. Purée. Là. Bon, je vais mettre ça comme ça. Là, c'est pour avancer. Alors là, je fais le début. 1, 2, rien. Pas envie de me tromper en fait. C'est pour ça. Mais non! Qu'est-ce que tu me fais? Voilà. Donc là, c'est une demi-dalle. Alors, une demi-dalle. Une demi-dalle. Tac. Oui, donc je disais, sur Camera Studio, donc j'essaye de le mettre, de trouver une version plutôt compatible avec la 1.8. Ça sera plus facile pour les constructions, puis vous verrez, c'est sympa. Ici, j'avais pas mis ça. J'avais plutôt mis ça. Parce que là, je mets un truc comme ça. Attendez. Fuck. Oui, voilà. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Faut vous l'avouer. On va passer tout ça. Ah, peut-être se faire un peu d'XP, dire ça. oui, c'est vrai que l'usine à zombies marche très bien. Je suis plutôt content. Mais non. Donc là, vous mettez des escaliers
tout le long. Voilà, et ensuite ici c'est tout simple. Et merde. Va falloir que je me refasse des potions de santé, moi. Ça va pas tout ça. Sinon, au pire, là, je vais faire une petite ellipse, le temps de finir le bâtiment. Et puis, je vous retrouve juste après pour le système en réseau. De toute façon, le bâtiment, voilà le principe. Quoi. Bon, après, bien sûr, il n'y a pas les blocs là derrière. Hein, c'est parce que c'est... Mais voilà quoi que c'est la forme du bâtiment. Après vous avez juste à refoutre des escaliers tout le long et des blocs et puis voilà quoi. Le bâtiment en lui-même est très simple, c'est pas compliqué, que de la pierre taillée et puis vous verrez de la pierre taillée aussi fracassée qu'il faut aller faire cuire dans les fours. D'ailleurs on va aller en foutre une fournée, on fout un stack, d'ailleurs il faut du pain. Qu'est-ce que je vais être content quand je vais avoir mon usine à poulet. Puis bon, ça sort pas trop de l'ordinaire parce que ça c'est en pierre taillée. Bon, faudrait que je refasse des bâtiments en briques. Alors, on va refoutre ça en cuir et puis on se fera une ellipse le temps que je termine la construction du bâtiment. Alors, tu vas me foutre un stack. Tiens, non, non, voilà. Ensuite tu m'en fous ça là, tu m'en fous ça là, tu me donnes la lave. Tac, tac, voilà. Et sur ce les gens, on se retrouve tout de suite. Allez, petit tips. Et re tout le monde, donc nous revoici dans notre petit poulailler. Bah tiens d'ailleurs il y a un poulet qui attend déjà. Donc bien avancer un petit peu, niveau de l'entrée, voilà ce que ça donne. Donc voilà, alors au-dessus là-bas, vous voyez, vous mettez une pierre craquelée. Voilà. Après vous n'êtes pas obligé de faire ce petit truc hein. Vous pouvez le faire seulement comme je vous ai montré au début. Ça moi je fais parce que c'est sympa et tout. Et puis ça me met une lampe redstone ici que vous activez grâce à une torche hein, tout simplement hein. Vous faites pas chier à faire un truc avec un interrupteur tout ça. Donc voilà, la porte comme elle est en vrai. Donc bien sûr j'ai oublié encore les détails hein. Il faut bon par exemple ici on va mettre de la pierre craquée pour faire plus joli, hop, pareil ici, là, c'est bon, tac, tac, là par exemple, voilà, donne-moi tes deux œufs, ça c'est bien, ici on peut aussi là, enfin vous mettez un peu au hasard, au pif, hein, c'est juste pour question de déco, hop, et on peut, alors là au-dessus on peut, tac, vous voyez ça alors, donc je vais encore en rajouter, parce que moi j'aime bien la pierre quand elle pétait, tac, tu mets ça là, tu vas m'en rajouter là, là. Voilà, nickel. Ça fait pas joli tout ça. Ça y est, joli. Alors, là, il y a des zombies qui commencent à me saouler. Alors, on va activer la machine. Alors, il y a à peu près... alors, on active le truc. Voilà, les zombies se font tuer et la bagarre. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux? Vous êtes fous, quoi? Je peux pas venir, hein. Ici, il y a un massacre de zombies, hein. Regardez comme ça spawn là-bas. Il y a pas que tu t'es fou là. Oh, qu'est-ce que tu fais toi? Wouah, c'est quoi tout ça? Wouah, j'ai du temps. Il va falloir. Aïe, 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 aïe. On casse pas ma porte.
se calme. Oh, se calme. Oh, ça tombe. Tout ce qui a popé, je vais vite aller boire une pop. Qu'est-ce que tu fous là? Je pense avoir d'aller popper. Oh, il a pété ma porte. Ils sont malades dans leur tête. Voilà, bon, on va aller boire déjà des potions de soin. Ouh la vache toi, tout l'XP toi. Alors déjà on va prendre une potion. Fais gaffe de ne pas prendre des dégâts. On va alors on va aller chercher notre XP. Faut plus ça là. Alors, vas-y, bois. Voilà, c'est bien. Hop, donne-moi dans une autre. Hop. Et hop, voilà. Ouh, sans mieux dire. Ouah, wow, ce truc de fou quoi, vous avez vu comment ça a popé d'un coup, c'est quoi ce bug? Ouah, wow, mais en tout cas ça m'a fait de l'XP moi, mais je m'attendais pas à ça. Vengeance, vengeance. C'est bon ça. Comment est-ce que c'est l'XP? Ah, donc on en était où dans toutes ces conneries là? Oh, comment ça a popé quoi là? On fout ça. Vraiment, juste mes pierres. Voilà. T'as comment ils ont explosé ma porte? Heureusement, j'en ai. Hop. Ah merde. Oh la vache quoi. Ah, ouais. Ah, mais bon Dieu, j'ai la polio moi aujourd'hui. Voilà. Donc on en était où? Oui, on en était à notre système. Alors, on va faire deux coffres. Ah oui, pour exceptionner le. Alors, deux coffres. Voilà. On s'en fout de l'œuf pour l'instant. Alors, les deux coffres, on les place là. J'ai pris mes hoppers. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, comment je les ai placés, moi, ce. Oui, parce qu'en fait. Donc là c'est comme ça avec un levier. Un levier 1 pour... alors le levier sert œuf et poulet. Donc le levier... Il va falloir que je l'active à partir de là. Alors... oui je crois que j'avais mis... Ouais ici parce que... Ouais. Oui c'est ça. Ici, oui d'ailleurs il va me falloir des hoppers. Alors. Est-ce que. Attendez. Non, c'est celui-là. Tac, tac. Non. Là, tu mets un bloc. Voilà, comme ça. Parfait. Alors. Alors, il va me falloir d'autres hoppers. Ennui, c'est que j'ai plus beaucoup de coffres. Ah oui, merde. Ah, en fait, je suis pas si riche que ça en ressources. Il va falloir que je. J'investisse vachement. Donne-moi plus, hein. Donne-moi plus de fer. Donc, du fer, j'en ai qui est en train de se fabriquer. Ah, cool, un coffre. Donc ça m'en refait un, donc j'ai du bois là, ça tu pètes ça là, attends, on va quand même ranger. Oh mon dieu, comment c'est le bordel, tiens, je suis même pas compris ce problème. On va ranger un peu. La bouffe, il est là. Les pipis d'or, ici. La viande de zombies ici, il va falloir vraiment que je commence aussi à...
à chasser les disques et à commencer à récolter les villageois. Voilà, bon, c'est bon, j'ai le bois. Nickel. C'est nickel tout ça. Alors, il va nous falloir un comparateur et un répéteur. Et un bloc de redstone plus. Bon, je peux pas le faire là. Plus un piston collant. Donc, il nous faut des torches redstone. Faire 6. Bien, ce truc. Il va nous falloir. Est-ce que j'ai de la roche? Ah, j'en ai plus de roche. Ça, c'est de la roche qu'on fait. Les répétures. Avec un peu de chance, il m'a remis la roche. Ouais, on a remis. C'est cool, donne-moi ça, donne-moi ça. Voilà, nickel. Alors, il est aussi en train de me refaire du fer. Ça, c'est nickel. Alors, tac. Attendez, la roche. Non, qu'est-ce que je fais, moi? Un répéteur et le comparateur, je sais plus trop comment on fait. Je vais les regarder. C'est pas un truc que je fais souvent, ça. Enfin, ça fait longtemps que je fais. Ah oui, c'est bon. Je me semblais, oui, il était presque parti. Une dose d'huile de merde. Alors, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Et... et on obtient un comparateur. Alors, grâce à tout ça, il nous faut aussi 2-3 entonnoirs. 3 entonnoirs. Un coffre. Tu me fais 2 coffres. Tu me fais 3 coffres. Tac. Voilà. Parfait. Ah, pulé. Patate, on s'en fout de la patate. Le coffre, tiens, hop, il sera là pour la prochaine. Alors, donc tout ça, il va me falloir aussi du verre. Bon, là, le verre, c'est pas très important. Alors, hop. Voilà. Donc, je vous rappelle, pour poser sur un autre truc, ben, un entonnoir ou un coffre, vous sautez et vous appuyez sur Shift. Et vous cliquez en même temps sur poser. Alors ça c'est le truc pour à récepter les poulets là. Tac. Donc là ça sera comme ça. Voilà, ici ça sera du verre. Ensuite, ah, il va me falloir aussi des machins pour balancer là, comment ça s'appelle, des distributeurs. Alors les distributeurs, il faut il me faut un arc, de la redstone, donc c'est parfait, j'ai tout ça. J'ai un arc. Ouais. Il me faut un arc pas foutu. Ouais. Alors excusez-moi, il hein, faut laisser le temps de préparer. L'épisode sera un peu plus long, c'est pas grave. Si, c'est là, mais qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai que ça comme pixel. Ah ouais, putain, la boule. Bon, c'est pas grave, prends tout. Tac. Enfin voilà, quoi, après, pour le bâtiment, vous avez compris. Pour le système, vous allez voir, c'est très simple. Ça demande pas énormément de ressources. Hein. Pour en début de partie, vous pouvez la faire. Mais à condition... putain, il va me manquer un arc. Mais non, il m'en faut que deux. Il va rien me manquer du tout, moi, qu'est-ce que je... Ah purée, mais j'ai plus de place dans cet inventaire à la con. Casse pas la patate. Allez. Et puis de la cobble. Voilà, un distributeur. Ouais. On s'en fout de tout ça. Alors, bon, revenons à nos moutons quand même.
Donne-moi de ça. Roulage. Là, bon, non, pas comme ça. Voilà. Non, non, même pas. Tu te trompes. Voilà, comme ça, c'est mieux. Alors ça sera le truc qui va contenir un seau de lave. Pour les cramer d'atroces souffrances. Et ça, c'est le truc qui va les balancer. Voilà. Du coup, oui. Et du coup, j'y pense. On va peut-être pouvoir économiser des répéteurs. Hein. Si je mets ça qui va là. Voilà. Voilà, comme ça. Tac, tac, tac. Du coup, là. Donc, j'améliore aussi un peu mon système par la même occasion. Voilà, comme ça. Alors, ensuite. Donc ensuite, mon système est très simple. Oui. Donc vous remplissez tout ça, là. Voilà, comme ça. Alors ici, vous mettez le comparateur. Attendez, il est dans le bon sens. Oui, dans le bon sens. Et le répéteur, dans ce sens-là. Ensuite, vous avez qu'à mettre de la redstone. Comme ça, vous mettez un bloc, vous mettez un redstone là. Attendez, j'ai monté ça à l'envers. Si je fais ça comme ça ne va pas aller. Tac. Voilà, ça sera mieux dans ce sens-là. Tac, tac, tac. Là, vous mettez un bloc, comme je disais. Voilà. Là, vous fermez. Donc, normalement, ça passe hein, dans le bâtiment, hein. Ici, il faut le réservoir œuf. Donc les poules pondeuses. Tac. 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 Voilà. Donc les poules pondeuses vont être là. Normalement, c'est du même niveau que là-bas, je pense. Oui, parfait. Alors ici ensuite normalement là il y a le alors on va casser ça normalement il y a le piston donc le piston qui passe en dessous le piston qui est là où là il y a le bloc de redstone et puis que où là là il y a de voilà ça s'est fermé et puis là il y a une torche là il y a de la redstone et là il y a une torche pour activer la lave voilà donc le piston hop et que la lave revient et puis se donc le système est fini donc il manque juste un piston moi qu'il faut que j'aille chercher des boules de sable le système est fini vous avez plus qu'à remplir la petite zone là de poules. Donc les poules vont pondre, qui vont foutre ça dans l'entonnoir là, qui vont ensuite projeter là-dedans. À chaque fois que ça projettera, ben, normalement le système devrait fonctionner. Bon là, il peut pas fonctionner forcément parce que j'y manque le piston. Ensuite, donc dans, il va balancer là, qui ensuite là, bon oui, là, forcément ça sème. Là c'est un escalier qui pousse. C'est pour pouvoir ouvrir le coffre. C'est qui va permettre de d'envoyer là et là c'est un bouton pour mettre pour pas que ça fasse des poulets mais que ça fasse que des œufs dans le coffre. Voilà. Donc le système est fini. Je vais terminer la vidéo là. Je finirai le bâtiment hors caméra et bien entendu j'irai chercher tout ça tout ce qui me manque. On verra si le système marche bien dans le prochain épisode. En attendant mettez un pouce vert un commentaire pour savoir si vous avez aimé l'épisode et puis si je vous ai aidé. Pour faire votre bâtiment à poulet si vous avez pas si vous ne savez pas quoi faire vous pouvez refaire celui-là qui est quand même assez facile donc il coûte cher en pierre taillée hein. Bon après moi j'ai fait que tout ça soit en pierre taillée hein, là-dessous hein. Et vous pouvez mettre de la cobble hein, ça fait pareil
Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ah bah c'est tout. Hein. Donc on se donne rendez-vous dans le prochain épisode et puis la prochaine fois, bah, je vous promets que la machine fonctionnera et ce sera pas plus possible. Allez, ciao les gens! Thank you.